Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Ce soir on joue en compagnie de Thanos. Salut Thanos. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on joue à quoi? Shoma Kemura. Ok. Sur Super Famicom. Donc en Jap. En Jap. Ok, ça marche. On va roter du sang. Ok. Jeu sorti en 91, édité par Capcom. Ok. Niveau difficulté sur 10. 10. J'aurais voire 11. Voilà. Il est quand même assez dur. Franchement, c'est très compliqué. Donc là, le défi c'est quoi? Le défi c'est de tarter le premier niveau en mode professionnel en une vie. Ok. Voire plus si affinité. Si on va plus loin dans le jeu. Ouais, okay. Ouais. Donc là, alors, en sachant qu'on va certainement gagner une vie à la fin du premier niveau, ouais. On continuera peut-être après si, le temps, si on a le temps. Ok. Ton personnage s'appelle Arthur, c'est ça? Arthur. Voilà, il va sauver la. Arthurienne. Voilà, il va sauver la belle princesse. Ouais, ah. Bon, donc là, vous avez. Il vous montre la boîte du jeu. En japonais, en français et en américain, c'est horrible. Je vous mettrai une petite photo. C'est vraiment horrible. Elles sont vraiment moches. La japonaise, elle est magnifique, franchement, rien. Ouais, ça veut tout dire, quoi. Juste la boîte, elle parle pour le jeu, quoi. Exactement. Voilà. Donc, ça reste un jeu. C'est-à-dire que, oui, quand tu vois tous les blaireaux autour, tu te dis, je vais passer un mauvais moment. Ah, ouais, c'est clair. Bref. C'est un jeu qui est assez dur. Franchement, moi pour l'époque, j'y ai joué. J'y ai pas joué beaucoup, parce que c'est un jeu dur pour moi, je trouve. Je ne joue toujours pas à ce jeu. Donc, c'est pour ça que Thanos va jouer à ma place. Parce que lui, il sait jouer à ce jeu. J'espère que je vais pas te faire mentir. Voilà. Donc on va dire que ce jeu, donc tu joues en professionnel une vie comme on a dit. Ouais. Tu l'as déjà fini ou pas ce jeu? En normal. En normal, ok. Alors, en normal, faut savoir que c'est pas la vraie fin. Ok. Parce qu'en mode normal, quand t'as tarté le boss final, on te dit bah tu recommences mais en professionnel. Voilà. Voilà. Donc t'as 10 ans, 11 ans. Bah non, mais t'as 10 ans, 11 ans, tu vois t'es même pas la fin du premier voilà, niveau. T'es pas prêt. Même voilà. En facile. Hein. Ah oui, non, bah ouais. Ça c'est clair et net. Franchement, ce jeu, au niveau de difficulté, est très, très, très haut. Capcom, ils ont mis la barre haute quand ils l'ont sorti. Je pense que c'est le fils du diable. Ah ouais, non, franchement, bah, de toute façon, la jaquette, quand on voit le démon, t'as compris. Ouais, tu sais ce que t'achètes. T'achètes pas Barbie en train de faire du vélo avec ses copines. Non, non, ça, c'est sûr. Donc, là, on est parti. Bah, écoute, tiens, allez. Option. Voilà. Normal, expert, professionnel. Professionnel, voilà. On s'est fait vie. Une vie. On exit. Et on exit. Parce qu'il faut qu'on joue, les amis. Enfin, ça m'excite pas du tout, mais bon. Donc, bon. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, un petit commentaire si vous voulez qu'on teste un jeu, un petit défi pour le Thanos ou pour moi, parce que je joue aussi également. Donc voilà, et puis bah, n'oubliez pas de partager la vidéo, ça fait quand même plaisir. Voilà la map, tout ce qui nous attend. Il y a combien de niveaux? 7 ou 8. 7 ou 8. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ok. Mais bon, faut se les faire. Hein. Ok. Donc armure grise au début avec arme à la con, j'ai du bol, j'ai le couteau. Voilà. Couteau meilleure arme, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il y a de la cadence. Ouais, ça va vite. Certaines armes où t'es obligé d'attendre qui touche un ennemi ou qui sort de l'écran pour pouvoir retirer une arme. Et donc au niveau des coffres, parce que je vois que là t'as fait une petite manip, bon, on en a parlé avant de tourner. Mais ces coffres là, tu les as trouvés tout seul ou t'as eu des aides? Non, faut voir la vidéo. Ouais. DGGX, voilà. Le maître de tous, hein, qui avait fait déjà une vidéo du temps de Green Memories, un défi qu'il avait lancé avec je sais plus qui d'ailleurs, terminer le premier niveau en mode professionnel en 5 vies. Ouais. Moi ça m'a donné envie d'y jouer du coup, comme j'avais le jeu. Ouais. Je l'ai fait en facile au début, ah, mais bon, pour se faire la main. C'est déjà pas mal déjà. Ensuite je l'ai fait en normal, j'ai terminé en mode normal mais... comment dire, en plusieurs crédits. Hein. Ouais. J'ai profité en un crédit 9 vies. Ok. Puis bon, bah, une fois que j'avais fini en mode normal, tu m'as dit c'est l'en professionnel, j'ai tenté le professionnel, mais. Okay. Professionnel. Ouais, ça monte quoi. Ouais. Et là, sinon, on peut voir que l'armure a changé de couleur. Ouais. Donc, il existe combien de couleurs? La grise de base. Oh, on est déjà arrivé, oui. La grise de base avec bon, les armes lambda, on va dire couteau, torche, lance, ce que tu veux. Okay. Ensuite, on a la verte qui booste l'arme. Mm-hmm. Donc là, on peut voir que le couteau il fait des lasers. Ouais. Et la or garde l'upgrade de l'arme. Mais en plus, tu vois, si tu maintiens le bouton arme appuyé, ça te fait un spécial. Ok, un petit dragon sympatoche. Quoi. Bon, ouais, là, alors, en sachant que la spéciale change. Avec les arcs. Ah, okay, c'est-à-dire qu'avec le couteau ça fait le dragon, avec la lance ça fait un éclair, avec la torche ça fait un espèce de bouclier protecteur autour de toi et ainsi de suite. Ouais. Et là pareil niveau bouclier, parce que j'ai vu que t'as changé, on dirait celui-là de Link,
Ça, pareil, c'est la même chose. C'est... Ouais, bah ça, c'est incompréhensible. Hein. C'est soit tu te fais toucher, tu perds que le bouclier. Ouais. Soit tu te fais toucher, tu te retrouves en slip. Ouais, parce que. Littéralement en slip. Dans ce jeu, que par exemple, là, t'as l'armure d'or, tu te fais toucher, tu retombes en slip. Bah, soit je te dis, soit tu paumes, t'as du bol, t'as du paume. Tu paumes que le bouclier, soit tu paumes. Mais c'est aléatoire alors ça. Ah, bah ouais, ça dépend de là où tu te fais toucher, je pense. Oh, putain, tiens. Voilà, tu vois, là, par exemple, tu t'es fait toucher direct, quoi. Voilà. Alors là, il y a un coffre qui vient de se mettre, mais je crois que c'est. Hop, on évite ça parce que sinon on se fait transformer en noix. C'est chaud quand même. Non, bébé. Ah ouais. Pas évident quand même. Ah, non, non, et là, non, on voit qu'il y a un timer en haut à droite. Il y a des checkpoints qui remettent du temps. Non, ça remet pas de temps. Ah, ok, d'accord. Ça remet pas de temps. Faut que tu finisses le niveau avant le timer 0. Par contre, si tu paumes, là, on arrive au checkpoint. Si je paume, je recommence de là avec le timer à 5. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, ça, c'est pas mal ça. Donc là, pareil, tu t'es mis sur de la pierre. Parce que l'eau, si tu te mets dans l'herbe, ça te prend quoi. Là, l'eau, ça t'embarque et tu pleures. Ah, donc t'as perdu, tu recommences quoi. Voilà. Voilà. Comme là, par exemple, ça a disparu. Voilà. Voilà. Si tu te mets où il faut pas, ça t'embarque. Ouais. Et c'est fou. Tu récupères une armure. Ok, ça marche. En sachant que l'armure ne sert à rien si tu tombes dans un trou. Ah oui, non. Ouais. En sachant que si un ennemi te touche, bah t'as un léger recul qui peut te foutre dans un trou. Ouais. Alors là, tu rages parce que t'as perdu ton armure. Et ta vie. Ouais. Bon là on va essayer de récupérer une armure verte. Mais... Et bon là c'est pareil comme je disais tout à l'heure, le niveau de difficulté. Franchement oui c'est sûr qu'un parent qui achète ça à son gosse de 10-12 ans, franchement il abandonne le gamin quoi. Il doit pas y jouer quoi. C'est la moitié du niveau et puis il croit plus au Père Noël hein, depuis des durées. Ça c'est un jeu, limite si t'as pas d'expérience dans le gaming, tu le revends tout de suite quoi. Moi perso à l'époque j'aurais eu ça, j'aurais revendu. Parce que c'est déjà un jeu qui m'attire pas, même s'il est dur, il est super dur, mais ça m'a jamais attiré là. Ghost and Ghost. Je crois pas trop là parce que n'arrive pas du boss. Ouais, ok, ça marche. Il y a des petits coups de pute là, j'aurais continué mon saut derrière le chariot, je me faisais bouffer donc, par le sorti chariot. Sur bande d'arcade. Oui. Sur Mega Drive. Oui, alors Mega Drive, de mémoire, portage d'arcade, ouais. Alors que la version à laquelle je joue là, c'est spécifique Nintendo. Sorti sur NES aussi, ouais. Après ça a été c'est refait. Ghost and Ghost. Ouais, Ghost and Ghost, ouais, c'est pas super. Oui, voilà. De toute façon, quand c'est même pas Ghost and Ghost, c'est Ghost and Goblin. Ah oui, oui, ah, oui, c'est vrai, Ghost and Goblin, c'est vrai. Et bon, après quand la Super Nintendo est sorti, c'était super. Hein. Super Jedi, super Ghost and Ghost, super tennis, super soldier. Du super, il y en a eu à toutes les sauces. Il cause, mais je viens de finir le challenge. Voilà. Donc là, on l'a terminé. Enfin, il l'a terminé. Professionnel, ouais. Une vie. C'est bon. Et j'en ai gagné une, parce qu'au bout de 20 000, tu gagnes une vie. Voilà. Et la deuxième donc là, c'est que du bonus dans notre parcours, quoi, en fait. Voilà. Mais bon, on va quand même essayer d'aller un peu loin, quand même. Ouais. Histoire de montrer un petit peu là, plus y a que un le coffre, niveau. Hein. Donc là, pareil, tu l'as trouvé tout seul, celui-là. Ouais, celui-là, je l'ai trouvé tout seul, parce que j'ai évité un fantôme avec un double saut. Et... Alors là, c'est pareil, tu n'as pas pris la hache, pourquoi? Pas assez puissant. Pour moi, la hache, c'est la pire arme du jeu. Ok, donc ouais, donc à éviter, les gars. Donc là, on repart avec l'arme verte, parce que j'ai pas compris, ou alors c'est moi qui manipule mal. Ok. Mais quand t'as l'armure verte, elle part en l'air. Ah ok, donc, d'accord. Quand ton ennemi est devant toi et qu'elle part en l'air, t'as, mais dommage. C'est dur, tu pouvais pas tirer. Bah le problème c'est que tirer sur la hache, ça sert à rien. Non mais le fantôme, il était devant toi le fantôme pourtant quoi. Bah je merde, hein, parce que je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un humain, j'ai les sentiments, mon dieu. Je ne suis pas un numéro. Référence encore. Oulala. Oula, ça a failli là, oui. Oula, le double saut. Tiens, prends ça. Laissez-moi tranquille. Tiens, voilà du boudin. Voilà, boudin. Voilà, tu vois le petit coffre qu'on vient de voir. Donc normalement, il disparaît. Donc là, le coffre, ok, tu y retournes. Il a disparu. Parce que toi, quand t'arrives là, le niveau il monte. Ah oui, l'eau. Et tu te fais avoir. Ah oui, ok, d'accord. Tu prends ton temps pour tuer le coffre et puis en fin de compte. Parce que c'est un coffre piégeux. Il y a une vérole dedans. Ah ok, d'accord. Putain, mais vraiment, ce jeu est vraiment. Alors en mode professionnel, les haches bougent beaucoup plus vite. Ah ouais? C'est dingue ce! Ah ouais, non, mais ils ont poussé le vis. Ah ouais! Le mec qui a fait le jeu, il doit avoir une dent contre les gamers ou. Ouais, je te dis, il a dû se faire lourder par sa femme, ou je sais pas, il a passé un mauvais moment. Donc là, t'as des coffres maléfiques qui te donnent rien en fait, que tu as. Qui te donnent rien sauf des emmerdes. Ouais. Là, c'est pareil, t'as pas pris l'arme là. T'as préféré garder. J'ai même pas vu. Ah ok, d'accord. C'était une sorte de. D'arc. L'arc moins faible. Enfin, moins faible, non. Ouais. Plus faible justement que le couteau, ouais. Mais ça part légèrement en biais si tu veux. Donc si t'as un ennemi pile sur ton ennemi, ah, ouais, okay, d'accord, ouais. Faut que tu te baisses pour tirer. Okay. Et moi ça m'embête. Ah bah, oui, oui, ok, d'accord. Il y a des poissons qui vont arriver, je suis en slip. Ah, ouais, j'ai la bonne tenue pour aller à la plage. Ah ouais, t'es pénard. Bon, soir ça va faire frais quoi, non? Il y a un coffre, normalement. Il y a un coffre. Voilà. Ah bah tiens, tu vas. Oui, oui, ouais, tu vas. Voilà, toi. Oh bah
Non, non, ça c'est ça, juste c'est du point, ça, bonus ouais, point. Ouais. C'est du point sur là, normalement, il y en a un autre de coffre, mais chez... Et c'est vrai que voilà, ce jeu est quand même réputé pour... Aïe, 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 aïe. Ah, tiens, oh, tu vois, regarde. Ah bah tiens. Donc là, en fait, c'est... Là, c'est le mage qui m'a transformé en otari pendant 10 secondes et je peux rien faire à part me faire bouffer. Oh là là. Oh, ouais, je suis quand même, hein. Oh. Ah ouais, non, mais là, si j'arrête de parler... Non, mais là, vas-y, c'est bon. Il y a un instant aussi pour la musique, qu'on vous fait écouter. Belle musique. Ah ouais. La musique est superbe aussi, ouais. Ah ouais, franchement, Capcom, vous avez des bons jeux avec de belles musiques. Alors, déjà, quand tu prends les Rockman, pareil, hein, le Rockman and Forte, les musiques sont sympas aussi, quoi. Pareil, Rockman, Street Fighter. Megaman, hein. Ouais, oui, Megaman en français. Mais les Street Fighter, pareil aussi, hein. Oui. Le terrain de Guile, quand ils sont sur le port. Ah oui, pareil, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oh, le mec. Oh, le nain. Il essaye de faire tout ça. Parce qu'en plus, Ken, c'est mon personnage préféré dans Street Fighter. Oh, j'ai honte. J'ai personnel, je l'ai plus cheaté. Oui, bien sûr, mais oui, ça c'est sûr, oui. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez mettre en commentaire, vous avez le droit de dire que j'ai cuté. Et en beauté, les gars, en plus. Sur mon cou, le mec. Oui, plutôt drôle, tu vois. Oh là là là. Et toi aussi, donc, le double saut. Alors, l'eau, c'est une purge. Quand tu connais pas, c'est une bonne purge. Pas alors là, tiens, une petite anecdote, c'est que ouais, si tu sautes quand le radeau est en bas, tu tombes dans l'eau. Tu passes au-dessus du radeau. Ah bon? Oui. Et tu tombes dans l'eau. Oh là là là. Donne-moi une armure, voilà, merci. Bah, vraiment, c'est un jeu, enfin... Mais pourtant, qui a adoré ce jeu? Par les gamers. Oui, oui. Vraiment, oui, dans, on va dire, dans le top 10 Super Nintendo, il y est, quoi. Il y est. En difficulté, que... ah, et oui, en... ah oui. Ah oui, non, franchement, il est beau. Agréable à jouer, je dirais oui et non, parce que c'est quand même... Bah, une fois que tu l'as en 20, si ça va. Ouais, mais bon, ça reste quand même dur, quoi, t'imagines, quoi. Enfin, là, j'ai quand même eu de la chatte d'avoir le couteau dès le départ. T'imagines, ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un gamin de 10 ans, son père lui achète ça pour... Tu sais, c'est le seul jeu qu'il a ramené. Mais le gamin, bah, dit papa... Si, si, le père, il peut lui faire jouer s'il est puni, s'il a ramené une mauvaise note. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu sais, moi, perso, mon père m'aurait acheté ça en jeu les deux premières minutes, j'aurais dit non, je t'en supplie. Ouais, ramène-le. Mon père, il a cru me faire plaisir une fois, alors, il m'a acheté la NES. Ouais. Dire que ça m'a pas fait plaisir. Ah oui, oui. Par contre, avec Tortue Ninja. Oh bah c'est pareil, c'est le jeu de l'enfer. Quand t'as 10 ans, Tortue Ninja, bah tu vas jusqu'au barrage, après tu pleures. Moi, quoi, Tortue Ninja, d'époque, je crois que si je passais les bombes, j'étais heureux. Ouais, t'imagines. Et on pensait même tous qu'une fois qu'on avait fini le, ouais, on avait fini le barrage, on avait fini le jeu. Ah, non. Mais non, on n'avait pas fini le jeu. Non, que nenni, le jeu du vice. Regardez sans pote. Attends, ouais. Vas-y, on te laisse concentrer. Ah, parce qu'il envoie des espèces de coquillages. Ah, c'est un gros coquillage, ça, en fait, que tu regardes. Ouais, ouais, c'est une vache. C'est bon ? Non, pas encore. Oh, là, là. Et puis là, pareil, tu n'as pas de niveau de santé pour l'ennemi, quoi. Alors que dans Castlevania, tu en as. Quand tu affrontes... quand tu affrontes les boss. J'aime pas le Non, mais... Aïe, tu préfères ? Aïe. Voilà. Tiens, j'avais regagné une vie. Ah bah j'en avais pas perdu surtout. Bah non. Bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? T'essaies de le tarter ou tu fais comment? Ça va être chaud, hein. Ouais. C'est bah long. On est déjà à combien? 13 minutes. Ouais, encore 5-6 minutes. Hein. Allez, essaye de... De toute façon, t'as plus de vie. On a dit que game over. Donc attends, là, parce là, que je suis à 39 900. Est-ce que c'est à 49 000? Ah oui, ok. De toute façon, le contrat a été réussi. Le premier niveau, professionnel, une vie. Le contrat a été réussi. Donc défi, les gars. Voilà, hein, défi. Je mettrai un gros succès. Vous allez voir, succès. Non, mais même pour ceux qui nous regardent, hein, ils peuvent... Ah oui. Ils peuvent essayer de défier le maître, on va dire. Ah ouais. Aller au deuxième boss en professionnel en une vie. Voilà. Ah, parce que t'as été au boss en une vie. Voilà. Ah oui, tu n'as pas perdu. Ah oui. Aïe. Ah, j'ai pris la... Ah, mince. Ah, puis là, c'est une par une. Tu peux pas jeter... Deux par deux, ça va. Ah, je vais pas y arriver. Oh là là, j'y arrive pas. Allez, on y croit. Des fois, les Posca, ils laissent un petit peu d'armes, mais là, que dalle. Là, ils ont dit. Bon, après, je veux pas me plaindre parce que la lance, elle est quand même assez costaud. Ouais. Elle est plus costaud que l'arc, par exemple. Ah, la faucille, il faut pas la prendre. Ça, c'est une bonne. Tu vas la voir. Ils vont te la filer, tu vas voir. Sous-titrage.
Ah, mais... Tiens. Aïe, aïe, aïe. Parce que la faucille, ok, là tu tires droit, tu vois, mais quand tu te baisses, elle part en. Elle part en. Bah. Ah, ok, ah, d'accord. Ah oui. Oui, oui, ok, d'accord. Aïe, 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 aïe. Ouh, ça ralentit. Là, il y a trop de. Trop de sprites, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, c'est chaud. Oh, c'est chaud pour un mec lambda. Ah bah pour moi franchement je sais même pas si je pourrais passer pour Mino. Je dis franchement je sais même pas. Ah ouais. Allez. Alors officiel je parle. C'est comme là. Même en easy je suis même pas sûr de passer. C'est comme tout hein. C'est une question d'entraînement. Oui bien sûr, oui, de toute façon que même les hardcore gamers qu'ils ont commencé à, ils ont pas commencé en professionnel. À mon avis déjà pour voir le jeu c'est du easy. Pour voir comment ça se passe. Oula. Tu vas passer? Ouais, là, ouais, je vais passer. Tiens, saut. Ah ouais, mais t'as l'impression qu'il a touché le pic. Bah, pourquoi faire? Oh là 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 là. Mais pourquoi faire? Arrête de stresser. Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau, lui? Bah, hop, il a disparu, il arrive. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Alors, pareil, au début, tu crois que c'est le boss. Ouais, mais et puis finalement, non. C'est une vérole, un espèce de triton à la con. Ah, tiens, je vais plutôt prendre ça, même si c'est un peu moins puissant. Ah ouais? Donc, c'est ce que je disais, tu vois, elle tire pas en face tes flèches. Oui, oui, ouais. Donc, ah, ok, il n'a pas qui va tout droit, quoi. Et là, pour le triton, tu vois, c'est une mauvaise idée. Ah bah, ouais, par contre, franchement, facile. Tu vois, c'est trois flèches pour le bouquet. Ouais. Alors que t'aurais une arme beaucoup plus puissante, en un coup, c'était mort. Oh, en un coup, non, non, peut-être pas. Ok, d'accord. Okay. Parce que tu sais, des fois, il y a des armes beaucoup plus puissantes qu'en un shoot, bah, tu sais, c'est terminé, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Par contre, si t'es assez proche de l'ennemi, il se prend les deux flèches d'un coup, là, ça vaut le coup, tu vois. Mm-hmm. Ok, par contre, j'ai pris un coffre. Ah, la faucille, encore. Oh, ils m'en veulent, hein. Ah ouais, là, t'es puni, hein. T'es puni. Il reste 2 minutes. Hop. Non, 2 minutes, ça veut rien dire. Ouais. Bah, vu que c'est un scrolling automatique, ils peuvent mettre 1 minute, hein. Ils vont pas nous piéger. C'est eux qui font avancer le radeau. Ouais. Après, là, le radeau, tu le contrôles pas. Tu contrôles que ton personnage. Ouais, j'y vais. Ah, ok, d'accord. Après, si je contrôle le radeau, mais c'est le personnage qui fait avancer. Mais sinon, le scrolling, c'est. Ah, ok, ouais. Il okay. Tout seul. Ouais. Alors, est-ce que je suis à 400 points de la vie? Mais bon, ça arrêtera là quand même. Ah, oh, ça arrêtera là, oui. Putain, tu vois, il faut mettre un truc. Et là, il est trop bas, tu vois. Ah non, j'arrive à le toucher quand même. Et voilà. Donc vous ne verrez pas le troisième niveau. Voilà. Mais alors, bon, le troisième niveau, c'est le niveau des enfers avec de la lave et plein de vacheries. Franchement, en professionnel, c'est quand même. Ouais, ouais. Alors il y en a qui le terminent, hein, mais là parce que là on discute, on n'est pas. Il est pas focus sur le jeu. Mais... Généralement, j'arrive. Tu t'es arrêté où en professionnel? Ouais. Fin de troisième niveau en une vie. En une vie, troisième. Ouais. Et sinon, fin si de troisième perds, niveau. Là, alors, attention, si parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait le coup de pupute. Par exemple. Pour les puristes, Firebrand, qu'on connaît dans Gargoyle Quest, le héros de Gargoyle Quest, okay, oui, apparaît dans le troisième niveau de ce jeu. Mm-hmm. Et alors lui, si tu le butes pas au départ, il te suit jusqu'à la fin. Ah, ok, d'accord. Ou alors il faut que tu perds pour revenir à la moitié du jeu. Uh-huh. Donc il faut que tu arrives, moi c'est mon but, il faut que j'arrive à la moitié du niveau 3 en armure d'or et avec les couteaux, pour avoir le dragon. Ah, ok, d'accord. Tu vois, t'avances un peu, tac, dès que tu le vois, lui il bouge pas, t'envoies le dragon, il se fait buter, t'es peinard. Ah, ok, t'as pas le dragon ou t'as pas l'armure d'or, pour qu'il te lâche, ouais. Y a pas moyen. Ah, ça fait comme dans Mario Bros, tu sais, le personnage avec le nuage qui jette des petites carapaces à pic. Ah, ok, si tu t'en débarrasses pas, il est avec toi. Si tu t'en débarrasses pas, il est avec toi jusqu'au bout. Ok. Et puis, alors, dans le dernier niveau, je crois que t'en as 2 ou 3 d'un coup. Ok. Bon bah tu pleures. Ouais. Voilà. Ok. C'est tout. Ok, d'accord. Donc bah on va se laisser. Ouais. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Petite dédicace. Ah. Tiens. À mon collègue Norman Tuttle. Qui se reconnaîtra. Voilà. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous savez qui est Norman Tuttle et ce qu'il a inventé. Voilà. Donc moi je dis pas. Voilà. Mais voilà. Année 80, indice. Ouais, fin 80. Ouais. Fin 80, 86, ouais. 86, oh, bah 86. C'était la période hein, des. Oui, hein, donc pas plus. Pas plus. Voilà. Monsieur Norman Tuttle. Norman voilà. Tuttle, qu'a-t-il inventé? Mettez ça dans les commentaires et puis bah, on fera un plaisir de les lire et puis d'y répondre par rapport aux gagnants. Donc nous, on va se laisser sur cette magnifique intro du jeu qui est sublime. Franchement, je m'en lasse pas. Bah. Mode 7, ça a été vendu comme ça à l'époque. Franchement, c'est magnifique, ça bouge pas. Donc nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau défi, en solo ou en duo. Ouais. Voilà. Et donc, si vous avez une petite préférence pour un jeu, mettez-le dans les commentaires, on verra si on peut y jouer ou pas. On a quand même pas mal de jeux, que ce soit sur Super Nintendo ou sur bande d'arcade. On a ce qu'il faut. Franchement, Ouais, on est bien. Hein, on est bien. Donc, sur ce, je vous dis, gardez la pêche. N'oubliez pas. Peace. Moi, je le dis pas. Voilà, il le dira pas.